Hey, salut à tous les amis, c'est la ville de Marche Pokémon. Coucou. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à bord de mon MT-09 Tracer avec une température extérieure de 6 degrés. On se caille le cul. Aujourd'hui, je refais une vidéo avec Ben Good. Je vois que le concept vous avait plu la dernière fois avec les petits articles que je vous avais proposés. Et le truc qui a été le plus commenté, c'était l'intercom. J'ai eu pas mal de messages privés concernant ça. On me demandait un peu plus d'informations sur le produit. Entre autres, j'ai vu que Ride My Dream l'avait acheté pour son casque route. Alors, je sais pas s'il l'a acheté suite à ma vidéo, mais voilà, il a acheté aussi cet intercom. On verra ce qu'il en pense, s'il en parle. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné 3 produits et je vais vous en présenter que 2 parce que j'en ai pété un. Et s'il a cassé, c'est uniquement de ma faute. Mais voilà, je me suis engagé auprès de Ben Good à le faire voir. Je vais le faire voir cassé, mais c'est vraiment de ma faute pour le coup. J'ai été un peu comme un bourrin et j'ai tout niqué. Mais en tout cas, j'ai pu tester le produit sur 2 semaines et c'est plutôt efficace. Là, je vais m'arrêter là. Bim. Alors, je vais retirer mes gants pour avoir plus d'aisance. C'est un produit qui tient dans ma poche. Voilà. En gros, je l'ai pété. C'est normalement censé être comme ça. Donc, je suis pas sûr qu'un coup de glu puisse y faire vraiment quelque chose parce que pour le mettre sur la poignée, il faut l'écarter. L'idée, en fait, c'est que ça se met comme ça. Après, normalement, ça reste fixe comme ça. Vous mettez votre paume de main dessus et pour accélérer, vous n'avez plus trop à serrer la poignée et faire le mouvement. C'est que là, c'est votre paume de main qui va accélérer. Oh la vache, le mec il a failli finir en deux. Vous allez me dire, mais quel est le but? C'est uniquement sur des longs trajets, des longues lignes droites. Bah du coup ça vous repose la main. Voilà, ça sert juste à ça, je trouvais ça sympa. Je sais que ZTFuride roule avec ça tous les jours. C'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai voulu essayer. C'est assez efficace. Et forcément la fragilité, en fait je l'ai cassé parce que je l'ai fait au matin très tôt et il faisait très très froid et le plastique était dur. Et du coup, en arrivant, tac, ça a pété. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce produit-là que j'ai pu essayer. Et ça coûte pas cher, hein. Ça coûte genre 1,50€, un truc comme ça. Voilà. Après, pour 1,50€, la casse, voilà, vous en prenez 2, 3. Je sais pas combien ça coûte vraiment dans le commerce, dans les magasins de moto. Mais voilà. Donc, je le répète, hein, pour tous les produits que je reçois par Ben Good, je joue la transparence vraiment. Je les reçois forcément gratuitement. Et en général, je les redistribue aux abonnés. D'ailleurs, Baptiste, si tu vois cette vidéo, sache que tu as été le premier à me demander l'allume-cigare. Je l'ai toujours avec moi, je ne l'ai pas donné. Donc, quand on se voit, je te remets ça en main propre. Là, pour le coup, les valises, je vais les donner à un pote. Le petit truc pour l'accélérateur, je vais le donner à la poubelle. Et d'ailleurs, sur Ben Good, si vous voyez un produit qui vous intéresse et que vous hésitez à l'acheter, bah dites-le moi. Moi, je demande à Ben Good de me l'envoyer de manière gratuite. Je regarde ce que ça vaut. Comme ça, moi, je peux vous faire un retour direct de ce que vaut vraiment le produit, si ça vaut le coup de dépenser là-dedans ou pas. Il faut que ça soit un truc qui soit autour de la moto, forcément. Je vais quand même y aller. Ouais. Pour moi ici, j'aurais personne pour me faire chier, pour vous faire voir le reste. Putain, ouais, c'est vraiment monté. Oh putain, ma moto, elle va être pourrie. Ah ouais, mais la flotte, elle a dû vraiment passer par-dessus la route, en fait. Ouais, bah, comme là-bas. Et franchement, j'aurais vraiment les couilles, je traverserais là-bas. Allez, je vais vous présenter le deuxième produit. Là. Voilà, le deuxième produit que je vais vous faire voir, c'est ça. Ça, je vais l'utiliser moi de manière personnelle. C'est des surbottes qui sont étanches. Pas submersibles, mais étanches. Quoique, en fait, si elles peuvent être submersibles, je pense. Je sais pas si ça serait vraiment submersible avec ça. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, si, je pense qu'on peut tout foutre à la flotte. Voilà, ça, je vais vraiment utiliser ça pendant un futur road trip que j'ai prévu. Vous en saurez plus un peu plus tard. Voilà, je prendrai ça, ça prend pas de place. Vous avez une semelle, ça fait que vous marchez pas vraiment par terre comme ça. Et au moins, on a les pieds au secos. Ça, pareil, il y en a pour à peu près 10 balles. Pas cher, mon frère. Et c'est parti. Et pour le troisième produit, celui que vous avez vu dans le titre et celui que vous voyez sur la miniature, ce sont des valises. J'ai fait le choix de présenter des valises alors que j'en ai déjà. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça coûte super cher. Moi, pour mes valises, j'en ai eu pour, il me semble, 450€ les valises rigides 36 litres.
avec les fixations. J'ai acheté ça il y a à peu près un an et je m'en suis servi une fois. Alors ça fait un peu cher pour une fois, et je me suis dit putain, il doit bien y avoir un moyen d'avoir des valises pour moins cher, ou enfin je trouve ça abusé que ça soit aussi cher que ça, bien que la qualité est là, hein. C'est moi, c'est des chats que j'ai. Et donc j'ai cherché sur Banggood et j'ai trouvé des valises universel. Qui dit universel dit à peu près adaptable sur toutes les bécanes, avec son lot de surprises au niveau des fixations. Moi de mon côté je m'en sors bien parce qu'elle se fixe assez correctement. Après pour un roadster ou quelque chose comme ça, à voir. Je pourrais pas vous faire voir, j'ai pas de roadster. Mais déjà je vais vous faire voir comment elles sont fixées et les avantages et inconvénients que je peux voir sur cette paire de valises. Je vais me reposer quelque part où on est tranquille. Allez, je vais me mettre là. Alors c'est parti, c'est parti. Allez, je vous fais voir déjà comme ça, regardez. Chut. Voilà à quoi ça ressemble. Quelque chose de assez important, c'est que les valises ne dépassent pas du guidon. Ça peut poser problème à certains. Donc là c'est pas le cas, ça dépasse pas du guidon. C'est-à-dire que si le guidon passe, tout passe. Moi sur mes valises Chad, elles dépassent un tout petit peu du guidon. Donc c'est un peu rock'n'roll. Alors voilà à quoi ça ressemble. Je les ai déjà montées pour éviter de m'emmerder à les monter en direct. Voilà ce que vous avez. Cette plaque en plastique se faufile à l'intérieur. Allez, on va le faire. Hein. Retirer les gants, couper le contact. Là. Voilà. Au moins comme ça, la valise est grosse. Et vous refermez comme ceci. Et là. Comme ça. Alors forcément, comme un cassos que je suis, j'ai oublié de prendre les petites housses imperméables. Oui. Alors elles sont pas étanches, c'est-à-dire que s'il pleut, ça va rentrer à l'intérieur. Et vendu avec une housse toute complète pour la protéger. Alors, quels sont pour moi les avantages et les inconvénients de ce truc-là? Si je les ai montées en dehors d'une vidéo, c'est quelle raison? J'ai galéré un petit peu à les monter, donc je vais les démonter en fait en face de vous. Et vous allez voir... comment ça se passe? Déjà, ça reste de l'adaptable, donc n'oubliez pas que bah forcément ça bouge un peu. Et pour ça, alors j'ai pas été jusqu'au bout du truc, vous avez des lanières à poser par exemple ici, et après avec ça vous mettez ça quelque part sur la moto pour tenir, donc les cale-pieds ou je ne sais quoi. Je vous fais voir un exemple. En gros, vous faites ça. Passez ça dedans. Vous faites ça. Vous faites ça. Là. Et après, vous tirez. Voilà. En gros, c'est l'idée. Comme ça, ça bouge pas. Voilà. Donc, vous avez, je crois, 6 sangles comme ça. Donc, je vais reposer ça là-dedans. Ça fait 36 litres. Vous avez donc rangement ici. Vous avez un rangement ici, mais là, je ne conseille pas de mettre grand-chose. Ah oui, je me souvenais plus. En gros, voilà, vous avez encore un débattement en plus. Par contre, là, je pense qu'on dépasse du guidon maintenant. Même pas. On dépasse pas. Donc là, ça l'a fait passer de 36 litres à 54 litres. L'inconvénient, pour moi, le plus gros inconvénient, il y en a deux, en fait. C'est que on ne peut pas sécuriser les valises. Là comme ça, il y a quelqu'un dans la rue qui peut vous ouvrir la valise et c'est terminé. Quelqu'un peut vous détacher les valises et on n'en parle plus. Et après, le deuxième inconvénient, c'est que c'est la merde à mettre. Alors je vais démonter au petit à petit comment ça se passe. Et vous allez voir. Alors, comment ça se passe? Tac, 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 je referme ça. Là, vous avez des accroches que vous retirez. Donc je vais retirer un côté par un côté, là. Et ces accroches... Tac. Il faut les enlever d'ici. Voilà, donc là, c'est vraiment désolidarisé. On fait la même chose ici. Là et là. Bim. Bim. Et à partir de là, les valises, elles s'en vont. Vous avez un gros scratch ici qui les tient ensemble. Et c'est terminé. Ça, on met là. Je tourne au milieu de la route, mais c'est... C'est barré. Le mec a dû me prendre pour un ouf à parler tout seul. Alors maintenant, là où j'en ai chié, c'est avec ça. Voilà. Le tout, c'est de savoir comment ça se passe ça. Je vais ouvrir ma selle. Et attention, voilà, c'est comme ça. Alors,
En gros, il faut... Moi, ce que je vous conseille, c'est mettre ça comme ça. En fait, de relier les deux attaches ensemble. Et c'est de là que vous allez comprendre comment ça fonctionne. Comment il faut le fixer. Vous avez les valises qui s'enclenchent comme ça. Et ensuite, vous mettez ça dans la moto. Donc moi, j'avais foutu comme ça. Et après, c'est à vous de gérer les écartements et de jouer avec tout ça. Donc, je vous le fais en gros. Vous posez ça comme ça. Là, et après, vous refermez la selle, vous fixez. Tout simple. Tout simple quand on le sait. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai reçu le truc et j'ai cherché un petit moment. Et du coup, j'ai trouvé ça dans les commentaires d'achat de la valise. Des mecs qui avaient un peu galéré. Mais franchement, pour 36 balles, moi, je veux bien galérer. Si j'avais su, je pense que je serais parti sur un modèle comme ça, plutôt que de dépenser 400 boules dans une paire de valises que j'utilise au final pas du tout. Et maintenant, la question que je suis en train de me poser, c'est est-ce que je vais vraiment le faire? Mais oui, je vais le faire. Mais on va aller au bout de l'idée quand même. On va retirer ça. Là. Et forcément, tu la vois arriver, la connerie. Et là, la surprise, est-ce que je suis vraiment mouillé ou pas? Et non! Donc voilà, ça se met par-dessus les bottes et ça évite de se faire mouiller. Voilà les gars, ce que j'ai pu faire au niveau des essais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, non on s'en fout en fait. Faites ce que vous voulez, vous mettez un commentaire ou pas, vous likez ou pas. Et puis voilà, on va se rentrer. A bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.